Dans cette vidéo, on va voir un programme qui fonctionne comme une calculatrice. C'est-à-dire, ce programme, il demande à l'utilisateur de donner deux entiers, par exemple A et B. Ensuite, il va demander aussi à l'utilisateur de donner un opérateur, ou bien il va faire la somme, ou bien il va faire la soustraction, la division, la multiplication. Donc c'est l'utilisateur qui va préciser l'opérateur. Ensuite, le programme va faire l'opération correspondante ici A plus B et il va afficher le résultat comme output, donc le résultat de cette opération. D'accord? Alors, on va commencer par saisir les données. Les qu'on a déjà A et B de type entier, ce sont deux valeurs qu'on va utiliser dans l'opération et un opérateur, les ou de type char, donc saminaire, opr. Juste, il faut ajouter getSayEstedIn pour effacer l'entrée standard. Ensuite, on va utiliser switch. Selon, donc selon quoi? Selon la valeur de OPR, donc l'opérateur, l'irtar ou l'utilisateur, on va faire un seul traitement, ou bien la somme, ou bien la soustraction, ou bien multiplication, ou bien division. Donc, une fois l'utilisateur, il a choisi comme valeur plus, donc qu'est-ce que je vais faire? Printf. Résultat ou bien R égale %D pour afficher un message et on va faire A plus B. Voilà le traitement qu'on va faire et qu'on va afficher à fur et à mesure. Ensuite, on met un break. Donc, une fois un traitement, il va sortir et me switch. Voilà. Donc, 9 c'est la syntaxe. Donc, case moins. Donc, on va faire moins case étoile, donc on va faire multiplication et il va qu'elle un div, donc le programme shirdem div, c'est-à-dire maintenant le programme shirdem haja min hidoum al arba et n'a mis n'artar l'opérateur et selon le choix l'en amal tomounia le programme shihizni à l'instruction min hidoum al arba. نجربوا ليزيكيسيون. Une fois عطيت للبروغرام 9 par exemple في الاوبيراتور جوست بلوس و 3 par exemple donc la somme ça fait 12 ainsi de suite.